Deux saisons en N1 et un titre de champion de France plus tard, voilà le BCS à nouveau en Pro B. Dimanche 13 octobre, Souffol ouvre le bal à Nantes, non sans une certaine impatience. On a hâte que ça commence. Voilà, ça fait deux mois qu'on a repris l'entraînement. On travaille pour avoir les matchs de compétition. Et c'est vrai que les joueurs ont envie maintenant que ça commence. Dominateur la saison passée, le BCS retourne dans l'antichambre de la Jeep Elite avec l'habit du petit poussé. Un budget de 970 000 euros laisse peu de marge aux Alsaciens, mais ils comptent bien exister avec leurs valeurs. Il faut à tout prix, quand on monte sur le terrain, qu'on laisse cet habit de petit poussé dehors et qu'on rentre sur le terrain avec la féroce volonté de gagner et de marcher sur l'adversaire. Si le club s'active, la ville aussi. Nouveau système de caméras, affichage au-dessus du panier, marquage au sol. La mairie a répondu cet été au cahier des charges de la Pro B et elle réaffirme ainsi son attachement au club. La ville de Souffol-d'Aersheim continue de soutenir le BCS comme elle l'a fait lors de son premier passage en Pro B. Et c'est tout naturellement que la ville a de suite émis un avis positif à l'accession du BCS en Pro B pour cette nouvelle saison, avec bien évidemment une augmentation du budget pour l'accompagner dans cette période charnière de son histoire. Pour tenter de se maintenir, le staff a gardé 5 des 7 joueurs pro, dont Jason Bach et Anthony Labanca. Le capitaine Jason Bach est confiant après les matchs de Leaders Cup, malgré l'élimination. On a vu qu'à part le dernier match, on est dans la capacité d'avoir la possibilité de gagner quasiment les 3 autres premiers matchs. Donc c'est très intéressant pour nous, ça nous prouve que dans ce championnat, on pourra exister. Kentan Fassé, américain de 26 ans en provenance de Chypre, est le nouveau pivot. Le BCS a aussi recruté Oumarou Silla, ex-meneur de Grisoberhofen, et 3 moins de 23 ans, dont 2 Orléanais. Ils nous apportent pas mal de fraîcheur et d'intensité, donc ils sont dans l'esprit du groupe, ils sont dans l'esprit de l'équipe, donc il faut que ça qu'on continue de travailler et ils vont nous apporter beaucoup. Prendre match après match, voilà le leitmotiv du coach. Ça commence dimanche à Nantes, où le BCS a déjà gagné. Premier match à domicile, le 19 octobre, contre Saint-Chamond.